Le lait du rossignol. Cette lecture repose sur une traduction du Laostic de Marie de France, et plus précisément sur la traduction réalisée par Françoise Morvan, que l'on peut retrouver dans son recueil intitulé Marie de France, lait, publié chez Actes Sud en 2008. J'ai choisi cette traduction car elle est fidèle à la forme versifiée de l'œuvre de Marie de France. Et je remercie vivement Françoise Morvan de m'avoir autorisé à l'enregistrer et à la diffuser. Une aventure, vous direz, dont les Bretons firent un lait. Le Laostic se met à vie, l'appellent-ils en leur pays, soit dit Rossignol en français ou Nightingale en bon anglais. Une ville en pays malouin était renommée de fort loin. Là résidaient deux chevaliers. En des demeures fortifiées. Et la ville de ses seigneurs tirait renom de leur valeur. La femme épousée du premier, Sage, courtoise et distinguée, Savait en toutes choses agir Comme il convient de se conduire. L'autre, resté célibataire, Était connu parmi ses pairs Pour ses prouesses, sa valeur, Et ses largesses de seigneurs. Il donnait tournoi, dépensait, Savait offrir ce qu'il avait. Or, voilà qu'il s'est pris soudain, de la femme de son voisin. Tant fit-il par grâce et prières qu'il prit son cœur, il sut lui plaire. On disait tant de bien de lui, et il était si près aussi. Ils s'entraîmèrent sagement, avec prudence, en se cachant, veillant à n'être jamais vu, ni soupçonné, ni aperçu. Cela, il le pouvait sans peine. Tant étaient proches leurs domaines, et tant se touchaient leur maison, leurs maisons, leurs grands salles et leurs donjons. Rien qui les coupe ou les divise, hors un grand mur de pierre bise. De la chambre où la dame était, à sa fenêtre, elle le pouvait rester parler à son ami, et lui à elle, vis-à-vis, -vis, voir échanger quelques présents, en les jetant et les lançant. Rien donc ne troublait leur bonheur. Tous deux vivaient selon leur cœur, Sauf de ne pouvoir à loisir, Être ensemble et s'entretenir, Car la dame était bien gardée, Lorsqu'il était en la contrée. Mais il leur restait le recours, Aussi bien de nuit que de jour, De pouvoir ainsi se parler. Nul ne pouvait les empêcher, Lorsqu'il leur plaisait de s'y mettre, D'aller se voir à la fenêtre. Ils se sont entraînés longtemps, Jusqu'à ce que vienne un printemps, où bois et prés avaient verdi, et les vergers avaient fleuri. Les oiselets avec douceur menaient leur joie parmi les fleurs. Qui amour à dont il est ivre, ce n'est merveille s'il s'y livre. Le chevalier, en vérité, s'y livrait alors tout entier, comme la dame pour sa part, par la parole et le regard. La nuit, quand la lune luisait, et que son seigneur reposait, elle se levait aussitôt, s'enveloppait de son manteau et se mettait à la croisée, où son ami, de son côté, était venu l'attendre aussi. Ainsi passait-elle ses nuits. Ils avaient plaisir à se voir, puisqu'ils ne pouvaient mieux avoir. Tant veilla-t-elle et se leva que son seigneur s'en irrita, et plus d'une fois il s'enquit de ce qu'elle allait faire ainsi. Seigneur, s'il faut que je réponde, il n'a connu joie en ce monde, qui rossignol n'a oui chanté. C'est pourquoi je vais l'écouter, chanter si doucement la nuit, que je me sens le cœur ravi. Et j'en ai un si fort désir, que j'ai grand-peine à m'endormir. À ces mots, le seigneur a ri, avec colère et raillerie. Il s'est dit qu'il va le piéger, le rossignol, et l'attraper. En sa maison, il n'est valet, qui ne fasse piège ou lasser, pour l'étendre dans le verger. Et, coudrier ou châtaignier, il n'est arbre sans piège ou glu. Voilà donc l'oiseau retenu. Comme ils ont su le prendre en vie, à leur seigneur ils l'ont remis. Et lui, la joie brûlant dans l'âme, en sa chambre va voir la dame. Dame, fait-il, où êtes-vous Arrivez ça, répondez-nous. Ce rossignol, je l'ai piégé, pour qui vous avez tant veillé. Lors vous pourrez dormir en paix, sans avoir à veiller jamais. La dame, entendant son seigneur, se sent meurtrie d'ire et douleur. Elle lui demande l'oiseau, et lui le tue tout aussitôt, en l'étouffant de ses deux mains. Rustre et vile est-on dit pour moins. Sur la dame, il jette le corps, en sorte que le sang en sort, tachant sa robe auprès du cœur. Une fois parti le seigneur, la dame prend le petit corps, Pleure à sanglots, maudit encore, ceux qui ont trompé l'oiselet, entrés sans pièges hélas, car ils lui ont volé sa joie. Las, fait elle grand mal méchoit, je ne pourrai plus me lever pour me tenir à la croisée et voir à loisir mon ami. Et, chose vraie, ce vie, il pensera certainement que je le délaisse à présent. Le rossignol lui enverrait, et l'aventure lui dirait. En lettres d'or elle a brodé, cette histoire sur soi brochée, puis y a placé l'oiselé, et, appelant un sien valet, son message lui a remis, pour qu'il le porte à son ami. Arrivé face au chevalier, pour sa dame il l'a salué, puis, lui disant tout son message, remit le rossignol pour gage. Il a tout dit, tout exposé, le chevalier l'a écouté, de l'aventure il est dolent. Mais il n'est ni grossier ni lent. Un coffret a-t-il fait forger, non de fer ou de triste acier, mais bien d'or à belles pierres, des plus rares et des plus chères, avec couvercle bien serti. Le rossignol il y a mis, puis la chasse a été scellée, et plus jamais ne l'a quittée. Cette aventure fut contée, on ne put la tenir cachée. Un lait en fire les Bretons, le laostique L'appelle-t-on